Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions, comme par exemple les cartes PSN 50€ qui sont à seulement 45,29€. Il y en a pour tout budget, celles à 20€ qui sont aussi en promotion à 18,99€ et les grosses cartes 100€ qui sont à seulement 90,49€. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah! Yo tout le monde, c'est FunnyGeek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP pour aller jouer le Gogeta Blue Ultra. Vous le savez, lors de mes précédents live invocation, je l'ai obtenu à 10 étoiles. Ludivine est toujours en train de chialer, elle ne l'a toujours pas la pauvre. Non, j'avoue franchement, c'est assez frustrant. Ludivine a s'est pris un shaft phénoménal. Dites-le moi vous aussi dans l'espace commentaire si vous avez fait shaft ou si vous avez skip tout simplement ce portail. Donc voilà, il est 10 étoiles, j'avais envie de me faire plaisir et de le jouer avec le Gogeta Blue LF que j'ai à 14 étoiles. Et puis voilà, après j'avais envie aussi de jouer avec le Gohan Beast que j'ai tout de même 9 étoiles. Donc c'est pas dégueulasse. Et après le reste, voilà, c'est pour les Cap Z Zenkai. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais moi je vous le dis les gars, quand t'as Gogeta Blue Ultra dans la team, t'es bien. Ah mais t'es bien, tu réfléchis pas, t'es tranquille, t'es zen. On va voir ce que ça va donner. Let's go, max de pouces bleus en mode gameplay d'abord. Yeah! Et on commence avec un Gogeta Blue Ultra en face de nous. Alors hop, je vais prendre ça. Alors par contre, ce qui est intéressant dans sa team, c'est qu'il a mis le Gogeta Blue Ultra en leader, accompagné du Gohan Beast et de la Pan. Là, ça te fait une team vraiment très quoi. Et si vous avez envie de jouer normalement Gohan Beast et Pan, effectivement, vous mettez le Gogeta Blue en ultra. De par sa cap Z ultra, si je dis pas de bêtises, voilà. Franchement, c'est vraiment très très intéressant. Donc là, ça va être une game intéressante. Let's go, on est parti. Petite verte, voilà. Allez. Ok, c'est bon, ça passe. Uch. Donc là, ce qui est intéressant avec le Gohan Beast, c'est qu'il n'y a pas de cover. Voilà, là, toutes les covers à son contrée. Et puis, bah, du coup, vas-y, on arrache. Hein. Oh, bah, c'est bien ça, on arrache. Ouf, on l'a fait. Oh, ouais, ouais, forcément, il s'est soigné. Donc là, petit perfect dodge qui fait plaise. Parfait. Voilà. Ok, il va mettre pas, je suis sûr. Yes, ok. Ok, on est pas mal. Ah, ça lag un peu. Ça lag un petit peu, hein, forcément. Ok. Ok. Huch. La verte qui ramène une spé. Parfait, ça, on a bien attendu le pas de côté. Voilà. Ah bah là, ça va faire bobo. Ah bah là, ça fait bobo. Cousine, allez, la taloche, une tartine de Nutella, ah oh bah toi aussi tu vas prendre cher, ah bah, bah voilà, et bah voilà, hein, je vous l'ai dit, on est serein avec Gogeta Blue Ultra, tu vois, c'est pas difficile, tu vois ce que je veux dire, non bah là il a fait toute la game, là clairement les gars, le Gogeta Blue Ultra, impressionnant, allez ça va être intéressant là, le Zamasu, tout ça, hop on prend les mêmes et on recommence les gars, franchement j'ai bien aimé hein, cette première game là, du coup lancement en jambes sur la deuxième game, est-ce qu'on va envoyer l'adversaire à la cantine dans les jupons de sa maman, et bah réponse tout de suite dans ce combat, hein. Let's go, alors faut faire attention parce qu'il y a quand même le Gohan Beast. Effectivement, avec le Gohan Beast, voilà, moi aussi je l'ai, mais effectivement, des fois, t'es pas à l'abri, hein, tu sais, le mec, il te met un contre, une spé, tu vas aux fraises. Hein. Hop, petite verte. Ok, ok. Ich, voilà le petit perfect dodge qui fait plaisir, et là, tu vas ramasser. Voilà, donc les covers, elles sont annulées pour l'instant. Hop, là. Voilà, en plus, la jauge, on la reprend. Hop. Donc là, on peut le voir, le Gogeta Blue LF, pas terrible les blasts. C'est ce que je veux dire, l'animation des blasts, pas terrible. Par contre, l'aspect, elle était belle. Dommage qu'elle n'ait pas passé. Mais l'animation des blasts, je préfère le Gogeta Blue Ultra sur l'animation des blasts. En revanche, sur l'aspect, je préfère le Gogeta Blue LF. En termes d'animation, je parle bien en termes d'animation et non pas en termes de dégâts. Parce que là, oui, les dégâts, c'est Gogeta Blue Ultra qui fait... Bien plus mal. Y a pas photo. Et là, il commence à me casser la tête son Zamasu, là. Mais il tank, hein, le Gogeta Blue Ultra, là. Il a bien tanké, et puis hop, j'ai récupéré ma vie, hein. Voilà, parfait, ça. Oh là là. Ouf. Non, mais regardez ça. Allez, deux strikes à la cuisine. Voilà. Donc là, la petite verte.
Ok. Ok, parfait ça. Bon bah là, hop, voilà. Je vais même Rising Rush, tiens. Je vais Rising Rush parce que comme il y a eu Zamasu, tout ça, hop, voilà. Et puis comme ça, on peut le kill son Trunks, enfin son tag Trunks Vegeta. C'est plutôt pas mal là. Ok, c'est bon, ça passe, il ne contre pas. Les gars, voilà. Comme papa, normalement, j'ai envie de te dire. Tu vois ce que, tu vois ce que je veux dire? Mais j'aimerais bien faire un LF avec le Gogeta Blue LF parce que par contre, l'ultime en termes d'animation, l'ultime du LF de Gogeta Blue, elle est vraiment insane. Et je la trouve mieux faite contrairement à l'ultime du Gogeta Blue Ultra. Après, c'est un choix personnel, des goûts personnels, tu vois. Mais voilà, par contre, son Zamasu, il a fait la game. Hein. Ah, il a fait la game, hein, frère. Ah, il a tout donné. Il a tout donné. Bon, bah là, voilà, hop. Voilà. Ok. Bon, je vais pas faire l'ultime avec le Gohan. Hop. Voilà. Il va attaquer. Ouais, yes. Ah, yes, ça va être le LF. Oh là là. Regardez l'animation. Regardez l'animation du Gogeta Blue LF. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs. Elle est insane. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Je suis désolé. Je le redis comme j'avais pu le dire. En revealing stuff. Bon, par contre, la modélisation, effectivement, je préfère quand même la modélisation du nouveau Gogeta Blue Ultra. Mais, force est de constater, les amis, que... Tiens, bah, tiens, on passe en 60, ça c'est très bien aussi. Force est de constater, les gars, que l'ultime de Gogeta Blue LF est mieux faite que l'ultime de Gogeta Blue Ultra. Même si elle est vraiment très belle, hein, l'ultime de Gogeta Blue Ultra, c'est pas ça le souci. C'est juste que je préfère tout de même voilà, l'ultime de Gogeta Blue LF, je la trouve vraiment insane. Franchement, il s'était surpassé à l'époque, les gars. C'était il y a 2 ans. Bah ouais, c'est, il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, il y a 2 ans. 2 ans quand même. Bah, 2 ans, franchement, l'ultime, elle a bien vieilli. Le tag cyborg en face de nous. Petit. Hop. Aka, l'ancien meilleur perso du jeu. Ça va être marrant, ça. Ça va être marrant, ça. Ok, bon, en plus, il a le tag Trunks et Vegeta, je suis pas vraiment inquiet. Bon, il a le Zamasu également. Mais alors, par contre, ce qui va être intéressant, voilà, c'est vraiment le tag cyborg. Maintenant, franchement, on va, je pense, le désintégrer. Hein, voilà, c'est, aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Ah, ça lag. Ça lag. Très bien. Très bien. Ça n'a pas d'écho. Donc, il est toujours connecté. J'espère que c'est pas un tricheur. Hein. Voilà. Hop. Viens par là. Voilà. Forcément, le lag. Hein. Forcément, les amis, le lag. Hein, vous connaissez. Ouais, forcément, là... Les lags, plus du coup... oh là 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 là. Plus du coup, le clic était retombé à 0. Ok. Très bien. Esquive. Ok. Ah, bien. Bien. Il a bien patienté. Lui, ça se voit qu'il est habitué à jouer avec les lags. Alors, par contre, toi, hop, bim, tiens, regarde un petit spé. Voilà. Ah. T'as de la chance. Oh, bah, il la ramasse aussi, Zamasu. Les gars, je tiens à préciser. Hein. Par contre, pourquoi j'ai pas pu esquiver, là? C'est quoi ces conneries, là? Je tiens quand même à préciser que Gohan Beast n'a plus de boost en PVP. Voilà. Faut quand même le dire. Ok. Attends, viens par là, toi. Voilà. On va te contrer un peu, quand même, là. Parce que là, t'es bien gentil avec tes lags, là. On va te montrer c'est quoi un Gogeta Blue Ultra. Ah! Non. Je vais le contrer, il va faire strike. Il va faire strike, je t'ai dit. Fais strike! Yes, tu fais strike! Maintenant, tu vas voir ce qu'il va te faire, Gogeta Blue Ultra, là, avec ta connexion, là. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Tiens, ce qu'on va te faire. Je vais le gagner, Clash. Hush! Hush! Voilà! Tu vas voir ce qu'il va te faire. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Regarde bien ce qu'on va te faire. Allez, toi, déjà, tartine de Nutella dans les jupons de ta maman. Voilà. Va chialer, tu vas au coin et tu recopies 100 fois, j'arrêterai de faire laguer le jeu. On continue. Allez, hop, voilà. Bim. Voilà. On va te tuer avec le Rising Rush parce qu'on a Gogeta Blue Ultra.
Allez, il faut que le Rising Rush y passe. Et c'est pareil, ça va être la même punition si ça passe. Allez, voilà, tu recopieras 100 fois. Je ne ferai pas laguer mon adversaire quand il a Gogeta Blue Ultra. On continue. On va te fumer le troisième perso et on va gagner. C'est comme ça. Let's go. Allez, vas-y. Voilà. Voilà. Voilà, monsieur. Voilà. Bah, tu vois, c'est pas compliqué. Bah, voilà. Hein, tu recopieras également avec Trunks. 100 fois. Je ne ferai pas laguer mon adversaire. Les gars, c'est insane. Vous le voyez bien. Gogeta Blue Ultra, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Ludivine, c'est pas ce que tu rates. Hein. C'est, voilà. Elle m'entendrait quand elle va voir la vidéo. Je suis mal, les gars. Non, vraiment, dites-le-moi vous aussi dans l'espace commentaire. Réagissez. C'est une dinguerie. Non, mais là, ils ont sorti un perso craqué de ouf. Alors, en plus de ça, tu le mets avec le Gohan Beast. Comme je vous l'ai dit, Gohan Beast, il n'a même plus de boost en PVP. C'est craqué de ouf, le machin, il est au max. Et puis là, voilà, pour le titre, j'avais envie de me mettre le Gogeta Blue LF type jaune. Alors, c'est pas non plus le meilleur des personnages actuellement, mais pour le kiff, tu vois, là, j'ai pris du plaisir. Même si ça a lagué, eh ben, on l'a renvoyé chez sa maman. Donc voilà, les amis, max de pouces bleus sur cette vidéo. En mode Genki Dama, n'hésitez pas à réagir. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. On a dépassé les 154 000 abonnés. Vraiment, merci à vous. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.